Bonsoir. Ceux d'entre vous qui ne dorment pas assez la nuit ont immédiatement reconnu la guitare que je tiens entre les mains. Il s'agit sans aucun doute possible d'une Strat de la fin des années 60. On reconnaît le sunburst typique de la deuxième moitié des années 60. On reconnaît encore plus vite le logo de tête, le fameux logo noir classique qui apparaît en 68. Donc il s'agit effectivement d'une début 68, puisqu'elle est encore en vernis nitro et pas encore en polyuréthane, qui va remplacer le nitro courant 68. Et c'est une Strat un peu spéciale, puisque si on regarde sous la plaque, il y a l'inscription ES, la fameuse inscription qui signifie Exhibition Special, donc une guitare prévue pour un salon, mise de côté pour un salon du genre le NAMM, donc qui a activement participé à l'histoire de la guitare, qui l'a vue de très très près. Pour le reste, on retrouve donc les mécaniques F typiques d'une Strat de cette époque-là. Elle est dans un très bel état, malgré son âge, ce qui n'est pas d'origine, puisque forcément, dans ce genre d'âge, c'est très courant d'avoir des choses qui ne sont pas arrivées jusqu'à nos jours dans l'état. Le sélecteur a été remplacé par un 5 positions, et les micros datent de 66. Alors les potards datent de 66, ça c'est logique, puisque sur une 68, il y avait encore des potards datant de 66. Pour le coup, pour les micros, c'est beaucoup plus bizarre. Donc on imagine que les micros d'origine ont été remplacés par des 66. Autant vous dire que c'est pas spécialement grave, qu'en tout cas, on est toujours dans le même type de son de Strat, et vous allez l'entendre dans le type de son de Strat par excellence, celle qu'on imagine dans nos rêves les plus fous. Thank you.